Bon ben ce matin, j'attaque la partie de pêche, mais je suis vraiment à ma limite quoi. Je suis à 17,5 en température. Bon, je suis en bordure, il n'y a pas de courant, ok, mais c'est vraiment ma limite. Donc si ça refroidit pas, c'est fini pour moi en tout cas sur ce linéaire. Voilà, c'était ma dernière. Eh bien une matinée qui commence bien. Voilà, je suis à peine arrivé. Une belle truite sur la bordure. A bien voulu de m'accueillir. Beau poisson, très beau poisson. Pour attaquer une partie de pêche, c'est fabuleux. Encore bien, bien, bien compliqué ce matin. C'est de plus en plus compliqué de toute façon. La truite n'est pas bien grosse. Mais écoutez, on fait avec ce qu'on a. Allez ma beauté, hop là. Bon ben voilà, un beau poisson, milieu de matinée, c'est le troisième poisson pris. Belle truite. Prise à distance avec une petite nymphe de tricot. Allez, on va lui rendre sa liberté. Oula! Malgré que l'eau soit pas loin des 18. Certains individus gardent bien la forme. Mais bon. Eh ben non, ça enchaîne. Pourtant c'était dur ce matin, mais on dirait que ça va mieux. Petite truite à l'arbalète là. Allez, hop. S'il y a bien un truc qui est plaisant l'été, quand l'eau est à température, c'est de pêcher le cul dans l'eau. Je suis avec un petit pantalon en toile là. On peut attaquer les truites à distance sur les gravières. Voilà, la cinquième de la journée. Super coup de ligne. Et va ma belle. Sacrée frite, hein? Oula. Voilà quoi. Petit pantalon en toile. Ça c'est pour les orties puis les ronces en bordure. Puis ça sèche très vite. Les chaussures, c'est des chaussures de rando à 15 balles. Et là, on supporte très bien. L'eau à 17, 17,5. Nickel. Et on est discret comme tout pour l'approche. Bon, malgré le fait que la température de l'eau monte, hein, 4 degrés en une semaine, ben, les fonds sont encore très corrects dans les parties où il y a un peu de débit. Hein. C'est sûr que si on va chercher à l'ombre dans des parties... sans courant, ça pousse hein, la mousse. Et là, c'est nickel. Ça pêche. Là, le soleil est à son zénith. Donc, c'est le moment de enfin, disons qu'à ce moment-là, moi, c'est là, je trouve que c'est là qu'on a une meilleure visibilité. Donc j'aime bien me foutre dans l'eau et remonter tout doucement en regardant les bordures. Et puis si l'occasion se présente, et bien attaquer un poisson à 10, 12, peut-être des fois même 15 mètres devant moi. Parce que c'est vraiment super plaisant quoi. Pêcher sous la canne à l'arbalète, ça a bien 5 minutes. Mais... poser 10 mètres de soie sur l'eau, c'est quand même un autre plaisir. Et surtout quand on ferre un poisson à cette distance. Bon ben voilà, je voulais pêcher un peu plus longtemps, mais oh, il fait trop chaud quoi. Donc. On va s'arrêter là, c'est un peu plus de midi. Je vais rentrer tranquille. Faire une petite sieste devant le tour. Puis se réveiller pour le dernier col, quoi. La base. Bon, sinon pour la pêche. Un peu mieux que la semaine dernière. C'est-à-dire que j'ai fait croquer 9 poissons.
Il y en a deux qui se sont décrochés et un que j'ai cassé. Cassé en 13 centièmes. Et pas cassé une erreur de nœud ou quoi que ce soit à la bagarre comme il faut. J'ai pas pu empêcher le poisson d'aller dans sa cage. J'ai pas pu la brider, elle avait trop de force. Pas forcément un gros poisson en plus. Donc bon, si ça baisse pas assez vite, c'est ma dernière sortie sur ce linéaire parce que on approche les 18 degrés, qui est la limite que je me suis donnée pour ne plus embêter les poissons. Donc voilà, 6 poissons pour une matinée fin juillet. Que demande le peuple, quoi, hein? Allez, salut, à la prochaine.